octobre, une troisième. Salut les amis, nous voilà de nouveau au bord de l'eau. Septembre se termine, demain 1er octobre, donc une petite pêche de bordure. Ça y est, les beaux jours se finissent, on va attaquer l'hiver. Ce matin, je suis arrivé, il faisait 1 degré sur le plan d'eau, donc on a eu les premières gelées, on va dire. Les températures du plan d'eau, 7-8 degrés, donc c'est très frais. Donc au niveau appât, je vais vous expliquer après, mais au niveau appât, c'est la stratégie change un peu de l'été, où on peut se permettre d'amorcer en grosse quantité, on va dire, pour faire venir le poisson. Là, en fait, le poisson commence, je dirais, on est dans la période septembre-octobre, où le poisson commence à faire ses réserves, on va dire qu'il hiberne, mais où l'alimentation, à partir d'une certaine température de l'eau, où le poisson va plus s'alimenter, ou très peu. Donc une pêche de bordure, on va encore en profiter tant qu'on le peut, tant que les poissons sont encore actifs le long des berges. Donc là sur un poste qui n'a jamais été pêché cette année, donc un poste vierge. Que dire? Donc pour les appâts, parce que j'ai eu quelques questions des personnes qui me suivent. Donc pêche d'hiver, on va dire, bah, là on n'est pas encore rentré mais ça commence. Donc là c'est du maïs à utiliser, du babycorn, du pelé. Peut-être, et j'ai fait de la pâte aussi, donc à voir. Ensuite, j'utilise aussi, vous connaissez, j'en présente assez souvent, donc la morse Sonubets, la spicy, à base de viande et de poisson, un appât qui est assez épicé, donc qui est très actif. J'en utilise 2-3 boules vraiment au départ pour faire venir le poisson sur le coup, et puis après, on voit quoi. Voilà. En termes de ligne, donc assez simple, on va dire une ligne combo que je peux utiliser aussi à la pâte et au pelé avec une bague. Je peux rajouter une petite bague dessus. Voilà, je suis monté là, c'est vraiment une ligne un peu plus épaisse. Là je suis en 25 centièmes, vraiment si j'ai du gros poisson qui arrive. Et la seconde ligne un peu plus fine, là je suis en 18 centièmes avec un petit hameçon. Voilà, donc là je suis sur un hameçon de 14, fort de fer, avec une bague plastique, on la voit ici, je peux vous montrer. Voilà. On verra bien, on va bien voir ce que va décider le destin, si j'aurai la chance de toucher des beaux poissons aujourd'hui. Sinon, bah, au moins faire de la carpe, se faire plaisir, c'est le but, et de partager avec vous ce petit film qui j'espère vous plaira. A tout à l'heure. Comme ça. Bon, on va recommencer, donc je vais refaire la même chose. Donc là je reprends, donc là c'est du fin perfect de chez Sonubets en 8 mm que j'utilise. Voilà, c'est ça, vous savez. Bon, ça utilisé normalement, c'est des appâts qu'on utilise aux méthodes, mais bon, au coup ça marche bien avec une bague, hein. Vous avez vu, tout simplement, je me prends pas la tête, le plus simple possible. Bon, quand ça devient compliqué, ben faut revoir un peu ses montages et tout, mais ah, le soleil est là, c'est cool. Vous voyez, la berge est bien ensoleillée, donc ça va peut-être apporter ses bons résultats aujourd'hui. On profitait de cette journée ensoleillée. Bon, on n'est pas au chaud, hein. Il fait 16 degrés aujourd'hui, hein. Donc c'est pas non plus la haute température. Bon, de toute façon, maintenant, malheureusement, on va être plus en dessous de 10 qu'au-dessus de 16. Donc là, pêche de bord. Hop, je remets ma petite coupelle. Ah, il y a des bulles. Hop, j'ai une touche là. Il y a des bulles sur le cou là. Ah, les poissons sont vraiment sur le poste. Donc la tactique de pêcher sur un poste vierge. Il n'a jamais été pêché cette année, c'est une bonne idée. Ça aurait pu être le contraire, parce que donc, comme c'est un poste qui n'est jamais amorcé, on pourrait supposer que les poissons n'ont pas l'habitude de venir par ici. Donc du coup là c'est qui tout double, hein. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais bon là apparemment ils sont en zone de confiance, donc ils répondent facilement, plus facilement à l'appât. Et il y a du poisson là, ça fouille dans le fond là. Me rapprocher un peu du bord. Ah,
Ouais, c'est reparti. Ah. Ouais, joli poisson aussi là. Alors comme j'expliquais, hein, j'essaye de déboîter le plus rapidement possible, dans la mesure que je peux bien sûr, pour travailler uniquement avec le kit et le poule à kit. Ça, ça m'évite de forcer sur la canne complètement. Bien sûr, si le poisson décide d'aller au large, c'est dangereux. Mais bon, là, il se bat sur mon poste. Ouais, c'est un joli petit poisson encore là. Voilà, c'est le cas là. Là, il prend le large. Ah, il me fait une accélération là. Ouh là là. Et voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je suis confronté au problème. Ah, je crois que j'ai décroché. Ah, j'ai décroché. Oh, t'as vu les bulles? J'ai des bulles au-dessus de mon bouchon là. Incroyable. Voilà, je suis baby corn sur une bague. Ah. Oula. Elle est pas contente là, madame. Attends, je vais accrocher un bateau. Joli combat. Oh, essayer de déboîter. J'ai encore vu le poisson, je sais pas ce que c'est. Je tente le coup. L'avantage du poule à kit permet de travailler un peu le poisson plus facilement qu'avec un élastique à l'intérieur. Bon, c'est pas un gros poisson, mais il me fait un joli combat. Ah, je l'ai accroché par en dessous, pas par la gueule, c'est pour ça. Voilà. Allez, c'est dans la boîte.